Alors à vous, c'est Ludo Projustic et on se trouve aujourd'hui sur une vidéo sur GTA V. Donc aujourd'hui, ça va être une des dernières vidéos qu'on va faire sur le jeu parce que bon, c'est vrai qu'il est sorti donc c'est vrai que ça fait du bien de faire du gameplay sur ce jeu parce que c'était un bon cru, hein. Je l'ai fini aujourd'hui et franchement, mais ça m'a. Je suis même déçu d'avoir fini, j'aurais bien aimé faire un peu plus. Être encore plus longtemps sur le jeu, j'aurais aimé. Faire durer l'aventure, mais c'est vrai que je voulais pas me faire spoiler sur les forums parce que je sais que j'y vais souvent et voilà, c'est vrai que j'avais vraiment l'envie de le finir parce que l'histoire est tellement prenante. Non, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose tout simplement de monter le Mont Chiliad. Donc j'ai cherché un vélo en vain, j'ai dû recommencer la vidéo parce que c'était vraiment raté. J'ai pas trouvé de vélo donc on va essayer en voiture, mais je vous promets rien non plus. Après, par contre, on fera une mission. Donc là, ça sera vraiment pour mettre en valeur la qualité du jeu. Au niveau de la mise en scène, etc., et surtout pour désinguer une sorte d'espèce que je déteste, je n'en dirai pas plus. On commence à monter le Mont Chiliad, donc ça sera beaucoup moins vidéo impression que la vidéo du triathlon. C'est vrai que c'est un peu chiant parce que je parlais beaucoup de mes impressions et je commentais pas vraiment le gameplay lui-même. De là, maintenant, je vais plutôt commenter le gameplay lui-même, même si je suis pas très doué pour ça. Et je vais monter le Mont Chiliad en véhicule de nuit, donc une ambiance totalement différente du jour, bien sûr. C'est vrai que ça va pas être génial pour voir l'étendue, etc. de la carte, mais voilà, c'est même plutôt sympa. Non, vous êtes sérieux, c'est encore du Rihanna. On change, on a la mort du Rihanna. On l'a eu dans la première vidéo, ça suffit. Maintenant, moi, je mets du Radio Los Santos, donc du rap. Ben, du rap, ouais, comme ça, je sais pas, il est vraiment soucié. Du rap, ça déboîte en plus. C'est de la bonne musique, il y a la musique du trailer de Franklin qui est dedans. Et ça déboîte. Et Franklin, lui, il aime ça. Radio Los Santos, c'est sa musique préférée. Donc voilà, déjà on peut voir quand même la belle étendue de Los Santos de nuit, de San Andreas. Il n'y a plus de secret pour le joueur à présent. Donc je viens de finir le jeu. Donc à la fin, on a beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que ça, j'essaie en ce moment d'en gagner parce que j'ai pas trouvé le moyen d'en gagner en fait. Et pour ça, j'ai acheté des propriétés. Donc, des propriétés dans le jeu, je peux en acheter. C'est ce que j'ai fait, du coup. C'est pour ça que des fois, vous verrez des messages peut-être où je gagnerai de l'argent. Tout à l'heure, ça m'est arrivé dans la vidéo, il y a eu une personne qui m'a dit j'espère que ma paye ne sera pas dégradée. Parce qu'en fait, il y avait une personne qui m'a tout simplement volé une de mes propriétés. Du coup, la personne qui travaille dedans a peur pour son salaire. Mais bon, normalement, on n'a pas de problème. Oh, du coup, c'est parfait. C'est parfait. Par contre, faire attention aux chats, aux coyotes, etc. Les trucs qui te grimpent dessus, ça fait mal. Faut faire vraiment gaffe. En tout cas, là, ce que je vois, c'est que c'est vraiment trop beau. Oh non, 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 non. Ça, c'est moche, par contre. Allez, monte, 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 monte. Même un vélo, il est plus efficace que le quad. Mais pourquoi je parle des propriétés et tout ça? Parce que c'est vrai que j'ai pas trouvé le moyen de me faire du pognon en fait. On a plein de pognon avec les braquages et tout à la fin du jeu, mais c'est vrai que au début, enfin à la fin, pour après engranger de l'argent, c'est pas facile. Et c'est vrai que je galère vraiment à me faire de l'argent, du coup je travaille un peu partout dans le jeu pour essayer de me faire du pognon ou acheter des propriétés avec Franklin pour le moment. Après j'essaierai avec Michael. C'est vrai qu'on voit la propriété du golf, le club de golf, il est à 250 millions d'euros. De dollars, donc ça fait vraiment flipper. Je sais pas comment je vais payer ça, c'est plutôt bizarre. Donc là, c'est la pleine lune, presque la demi-lune. Donc pour le moment, on monte au Mont Chiliad. Après, on va descendre en parachute si je fais le pas. Normalement, tout devrait bien se passer. Donc là, c'est la première fois que je découvre cette partie du Mont Chiliad qui est un peu plus long que la traversée que j'effectue d'habitude. D'habitude, je passe plutôt. Par ici, je monte avec à partir du télésiège, je passe en BTT, je passe par là, je monte par ici. Là, voilà, mais déjà on a presque terminé le parcours. Je suis passé par là, je suis parti d'ici, et là je suis monté jusque là avec un véhicule. Ça va beaucoup plus rapidement en fait qu'à l'arrivée comme BTT. C'est vraiment très agréable hein, de parcourir le Mont Chiliad. Vraiment un espace très naturel, très reposant. Là, le seul problème. Seul bémol, c'est d'essayer de pas tomber, parce que si on tombe, c'est vraiment la misère. Pour le moment, là, la route est plutôt tranquille, pas trop dure. Donc là, pour le moment, il n'y a personne qui est en action, pas de randonneur,
que dalle, pas de vie pour le moment. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment le sentier le plus intéressant. Peut-être que l'autre est un peu plus pentu, du coup les randonneurs préfèrent aller là-bas, je sais pas. Pour le moment, aucune trace de vie, même pas le chat. Pour le moment, on monte bien. On va au loin, Blaine County. Ouais, voilà, Blaine County, y a pas le R. C'est pas Blaine Country, c'est Blaine County, je crois. Aïe. Chaud. On voit le lac où on était dans la première vidéo que j'avais fait. On était quand même à l'opposé. Là maintenant, on est vraiment de l'autre côté. On est sur le Monchi. Voilà, je dérape. Alors vraiment un gros point fort, c'est la conduite. J'en ai parlé plusieurs fois. Wow! La conduite est vraiment, a été vraiment très 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 bien travaillée. Aussi nerveuse que Need for Speed, hein, voire. Je me demande si c'est pas mieux que les jeux de voiture actuels, enfin en arcade. Ça a vraiment pas à rougir face à Need for Speed. Hein. On peut se le dire, ah ça c'était des trucs qu'il faut faire gaffe à eux parce que lui, ces chats là, ces coyotes ils vous prennent en un coup, ils vous tuent. Il faut faire vraiment très attention. On était vraiment à l'opposé la dernière fois dans la première vidéo. Et je disais un truc, c'est que les véhicules ouais, se conduisent vraiment au top. Vraiment, c'est super bien. Je vous montrerai peut-être à la fin la Bugatti Veyron que j'ai complètement améliorée à fond. Et c'est vrai que c'est de la bombasse. Ah, vous voyez, j'ai gagné un peu d'argent grâce aux propriétés. Comme je vous disais tout à l'heure. Gestion immobilière, voilà. Donc là, on est arrivé. Ah ben tiens, on a été assez rapide, c'est bien. Plutôt content. Du coup, on va déjà admirer le paysage. Il y a des motocross, tiens. Alors, remarque, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait sauter du tremplin qui est ici, où il y a marqué danger, et ouvrir le parachute. Mais ce serait plutôt dangereux. Je le sens pas trop, quand même. Je sais pas. On va voir d'abord la vue, on verra après ce qu'on fait. Donc là, c'est bien, parce que c'est de nuit, on voit que dalle, hein, c'est super. On voit que dalle, hein, vraiment que dalle. Mais ça reste pas. Ça n'en reste pas néanmoins. Ça reste toujours aussi beau. Voilà, la distance d'affichage qui est énorme, les lumières, les jeux de lumière, etc. Avec. On voit les zones de population plus ou moins denses. À travers l'intensité de la lumière, etc. Plutôt bien foutu. Donc, je vais chercher mon parachute. Je vais chercher mon parachute. Ouais, franchement, je suis trop déçu d'avoir fini ce jeu. J'aurais bien aimé que ça soit plus long. Ah là là. Mais je me rends compte, au début, quand j'ai fini le jeu, je me suis dit... Oh purée. C'était bien. Mais là, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'étais complètement perdu. Je savais plus quoi faire tellement c'était grand. Je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est fini. Quoi. Je peux plus m'amuser comme avant. Et en fait, avec toutes les missions qu'il y a annexes et tout, en fait, il n'y a vraiment pas de quoi se soucier. Ça reste toujours aussi sympa à jouer. On est toujours imprégné de cette ambiance extraordinaire que j'étais assez nous procure. Donc voilà, bon maintenant j'ai mon parachute, donc soit j'y vais en moto, je saute, et ça fail, je sens pas, bon on va essayer quand même, on va essayer, on passe par là déjà, ça on est sûr, attendez, remarque, par là on va être plutôt enfermé, moi je préférerais partir par là, par le lac, ça serait peut-être mieux, sauter par ici, vers la ville, en cas de façon, après on va faire une mission. Donc, je sais pas. Parce que là, il n'y a pas vraiment de point de saut, en fait. Pas vraiment d'endroit pour sauter tranquillement, à part là-bas. Je vois pas. On va sauter par là, et on verra après ce qu'on fait. On va prendre la motocross. Allez. Motocross, on se prépare. Attention, on va y aller doucement, on va y aller mollo. On va pas prendre trop rapidement, on va rater le virage. Après, on va rater le tremplin. C'est pas mon but. Danger. Vous êtes prêts? 3, 2, run. Ah mon dieu! Voilà! Allez, non, non, saute, saute, saute! Mais voilà, fail. Je m'en doutais de celle-là. Dans le trailer, il le fait, il saute en moto et après il fait parachute et là, non. Je saute moto, je me casse la tronche. Voilà, bravo. Bon, mais pour la peine, c'est vraiment pourri. Donc, je vais.
Je vais changer perso. Donc, on va pas faire encore la mission, hein, parce que là, c'était vraiment un gros fail. Donc, on va vraiment vous montrer un peu du base jump, hein, parce que là, c'était vraiment abominable. Donc, on va aller prendre Trevor rapidement. Ça va pas être très long, parce que normalement, je devrais être à côté de mon aéroport. Il devrait avoir aucun souci. Non, mais là, c'est vraiment un gros fail. Ça me fait cailler, parce que j'aurais bien aimé vous montrer du parachute. On aura fait la montée du Moshi de nuit. Voilà, donc on sort, on est tout soigné, on est tout bon, on est content. Donc voilà, donc là on est bien. Je perds 5000 d'argent, c'est super, et je prends Trevor. Trevor qui est un pilote affirmé, qui est très entraîné, et qui va nous faire du bungee jump. Alors, je pense qu'on va faire la mission infiltration dans la prison. Au moins, ça nous permettra de voir un peu du gameplay après à l'arrivée si on se fait choper par les keufs. On pourra faire du gameplay un peu nerveux. Je suis célèbre, je suis passé au JT. D'accord. Je suis complètement pas là où je voudrais être. C'est totalement fail encore. Ouh là 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 là, je suis vraiment. Oh. Je suis vers chez Michael et je suis vraiment pas là où il faudrait être. C'est super. Là, franchement, je suis vraiment comblé. C'est ma vidéo, celle-là. C'est vraiment pourri. Donc là, ben, taxi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Taxi. Que ça, ouais, le fait d'aller, on va dire, dans la prison, ça va nous faire peut-être un gameplay au niveau déjà pour montrer l'infiltration, mais aussi vous montrer en cas de combat un peu de nervosité au niveau de tout ce qui est gunfight. On va appeler un taxi, je mets message, ok. Contact, donc regardez pas trop les contacts. Voilà, download, downtown. Un taxi, s'il vous plaît. Là, par contre, on est dans un quartier riche, hein, Beverly Hills. Donc, ça envoie. Hein. Il y a des belles caisses partout. C'est quoi ça? Là, vous voyez, ça, c'est une belle voiture aussi. C'est une Corvette. Enfin, il me semble. Ah, taxi, c'est mon lila. Repère. On va directement au point de repère et on va prendre notre hélicoptère. Alors, l'hélicoptère, je sais pas si ça vaut le coup de le prendre. C'est plus précis pour atterrir, mais le problème, l'hélico, il atterrit aussi très rapidement dans la prison. Du coup, ça déclenche les alarmes. Et c'est pas génial. Donc, je pense que je vais prendre l'avion. On va s'y remettre à plusieurs fois. On va prendre notre temps. Pour sauter précisément, de toute façon, on est en parachute. Oh! Parce que se balade avec son chien, c'est plusieurs fois qu'il vient là, lui. C'est marrant, tiens. Allez, nous, on va sauter. Déjà, on va déjà essayer de s'envoler, ça va être déjà un bon début. C'est parti. Donc là, tranquillement. R1 pour aller un peu plus vers la droite. Les avions très réalistes s'envolent directement. Il y a une piste de je sais pas combien de mètres. Toi tu le voles en un dixième de la surface proposée. C'est super. Non, ça aurait été chiant, sinon tant mieux. Alors la prison est là, sur votre gauche, en direct live. Donc je vais essayer de prendre de l'altitude. Pour vous montrer le base jump qui est vraiment vraiment une très bonne nouveauté. Ça a été dans Ballad of Gettoni. Après, c'est vrai que Ballad of Gettoni, je l'ai, mais je n'ai pas eu le temps de faire du base jump. C'est vrai que c'était pas très intéressant avec de l'hélico là maintenant qu'il y a beaucoup plus d'avions. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant maintenant le base jump dans GTA 5, c'est beaucoup plus adapté avec la map, etc. C'est beaucoup plus adapté au parachute, etc. Donc là, je vous admets que c'est quand même plutôt bien foutu. Ça ressemble un peu à Just Cause 2, hein. Au niveau de tout ce qui est sensation de base jump, ça y ressemble. Donc on prend l'altitude. Après, il y a beaucoup plus de contrôle dans GTA 5 que dans Just Cause 2, qui est plutôt sympa. On va essayer de faire un vol plutôt précis. Je suis juste au-dessus de la prison. Je vous propose de sauter. Voilà, parfait. Non, voilà.
Voilà, c'est parfait. Mission réussie, vous voyez la ville là-bas au loin. Toute la map qui est visible d'ici. Bien sûr, il y a un petit bout derrière Monchy, mais on en voit une belle partie. Et là, on va ouvrir le parachute dans pas longtemps. On va essayer d'atterrir au milieu, tiens. Essayer d'atterrir au milieu. Si je me fais pas. Ouais, voilà, il y a les keufs direct d'entrée, ils nous chopent. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va essayer de descendre. Non! Ouais, c'est mort. J'ai plus de vie. Aïe, 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 aïe. Par contre, Trevor est armé jusqu'aux dents. Trevor est vraiment beaucoup armé, donc normalement je devrais pas avoir de soucis à me faire, mais ça va être chaud. On va prendre des explosifs. On va montrer un peu le gameplay avec Trevor et sa capacité spéciale, qui est très intéressante. Le Berserker, qui vous permet déjà d'encaisser très peu de dégâts, mais alors d'en donner des dégâts. Et ça fait super plaisir. C'est super jouissif. Jouer avec Trevor est peut-être plus intéressant au niveau des gunfights qu'avec les autres personnages. Même si Michael a une compétence plutôt sympa lui aussi qui permet de ralentir le temps et d'enchaîner les headshots sans aucun souci. Et c'est vrai que le Berserker est plutôt très très sympa. Bon allez, va. Vise automatique comme dans GTA 4. Rien de nouveau à signaler. On va essayer de prendre. Ah, je n'ai pas. Si, voilà. Lance-roquette. Waouh, c'est la première fois que je l'utilise, impressionnant. Comme d'habitude. Alors on va poser une bombe collante. Quand ils vont descendre, ils vont voir ma réaction. Boum. Voilà, la technique, sympa. Original. Ouais, ils peuvent rien faire pour le moment, Trevor est surpuissant. Voilà. Le mode Berserker, le mode Fury, qui est vraiment redoutable. Et là, l'hélico qui va chercher d'autres personnes. Il voit qu'il est vraiment dans la mouise. J'entraîne plutôt de les prendre de court. Ils ne comprennent plus rien. J'aurais bien aimé voir des prisonniers, ça aurait été sympa. Voir du mouvement de la prison, etc. On va se cacher. On est en train de perdre un peu de Vikem, là. J'ai plus grand chose. Attention. Ah ouais, attendez. Essayez plutôt de. Aïe aïe aïe. Wow! Je mets le mode Fury. Je mets le mode Fury, sinon je vais crever. Voilà, on en profite. On profite de notre pouvoir. Voilà, bah c'est mort, fini. Bon, voilà, vous aurez vu un peu de base jump et un peu de gameplay au niveau du gunfight. Bon, c'était pas vraiment génial, mais c'était pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire dans GTA V. Non, c'est plutôt sympa ça quand même, hein. Le base jump et tout, la liberté encore une fois, qui est mise en avant par la grandeur immense de la carte. Donc maintenant, je vous propose, si vous voulez ne pas voir cette partie de vidéo, de vous en aller, donc je vous dis au revoir pour ceux qui veulent, parce qu'on va faire une mission. Une mission que j'ai beaucoup aimée, qui met en avant le switch des deux personnages. C'est une mission qui est pas trop tard dans le jeu, hein. C'est vraiment au début, mais... Je préfère quand même vous avertir parce que c'est quand même plutôt un moment sympa du jeu. Donc si vraiment vous voulez pas voir, vous regardez pas, c'est pas vraiment un énorme spoil. C'est vraiment une mission vraiment pas importante non plus dans le scénar. Mais ça peut être sympa à faire, donc du coup je vous propose quand même de pas vraiment regarder si ça vous intéresse pas de vous faire gâcher cette partie du jeu, cette mission qui est plutôt très sympa, qui est en référence en plus à San Andreas, donc bon, comme vous voulez. Donc voilà, donc si vous êtes resté avec moi, on va continuer. Je vais faire start et je vais vous épargner un petit chargement. Donc voilà, c'est fini. On se retrouve tout de suite. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say. Who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass sister. Shut the fuck up! Yeah, shut the fuck up! Here, darling, why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you! Is it $7? I said something nice, not expensive. You wanna be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, alright? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boys. What? I'm
fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? Talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Donc voilà, on enchaîne sur une cinématique directement. On rentre dans le vif du sujet. Voilà, Trevor qui nous accompagne dans cette mission. Une mission plutôt orientée tout ce qui est gangster, etc. Vous allez le voir très vite, de toute façon c'est pas très long. Ça va être vraiment le point final de cette vidéo. Grove Street, le lieu de rendez-vous. Moi à chaque fois quand j'y vais, ça me fait vraiment plaisir. Grove Street qui était bien sûr l'endroit fétiche de Carl Johnson où il habitait à l'époque. Et donc on y va et on voit malheureusement que le lieu est envahi par les Ballas, ces salauds qu'on a tués pendant je sais pas combien d'années sur nos consoles PS2, sont de retour sur New Gen, malheureusement pour nous, et il nous faut encore chier, hein, c'est le cas de le dire, et plus aucune trace des verts. Ron les violets, ça reste, hein, c'est la mauviette, ça reste, malheureusement pour nous. Donc là, vous avez vu les dialogues avec Trevor, etc., vraiment très très cru, très violent. Mais alors, qu'est-ce que c'est très drôle? Trevor est un personnage incroyable, comme encore une fois, je le répète à chaque fois dans chaque vidéo, mais c'est vrai que là vous le voyez, au niveau de sa présence, etc., il est vraiment un personnage super charismatique, super présent et tout. Il se montre dans les cinématiques, on voit que c'est un personnage très important et qu'il n'a pas été laissé, il n'a pas été bâclé. Donc, tous les trois personnages ont été travaillés de toute façon. Donc voilà, cinématique. Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. You like that, huh? Sample? Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now, you heard what your boy said. You're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler! Et voilà, c'est reparti, c'est excellent quand même, vous avez vu ça. Énorme, 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 énorme. Et là on bute du ballast. Et Chop qui va à l'attaque. Et voilà, une des missions pour moi, une des plus sympas du jeu. Il y en a plein, hein. Il y en a vraiment plein de missions excellentes, mais j'aime beaucoup celle-là. À la fois c'est un retour dans Grove Street, un retour aux sources en même temps. On désigne du ballast, c'est juste super jouissif pour ma part. Et ça met en avant aussi le système de switch. Comme par hasard ici, on peut changer et enchaîner. Voilà, vous voyez, c'est vraiment super efficace, super nerveux, super dynamique. Ce système qui a été mis en place. J'ai vu sur les tests de certaines personnes le fait que les pouvoirs n'étaient pas super bien utilisés. Alors moi, je les utilise par moi-même. Alors c'est vrai que Rockstar n'a pas vraiment mis en avant dans l'émission le fait d'utiliser ses pouvoirs. Après c'est plus un automatisme qu'autre chose, une fois qu'on a appris à main le fait d'utiliser les pouvoirs, après ça reste, ça se fait tout seul. Et c'est vrai que Rockstar ne nous incite pas vraiment à les faire dans l'émission. Pour ceux qui ne les auraient pas utilisés une seule fois, c'est sûr que les pouvoirs ne seront pas très utiles. Parce qu'on ne les utilisera pas. C'est vrai que moi je sais que je les utilise bien, donc ça me sert beaucoup. Donc, voilà. Automatique. Bien comme mal, des fois vous voyez là ça se vise sur un obstacle, donc du coup ben, ça vise pas grand chose, hein. Ça vise l'obstacle. Franklin qui est à l'attaque. Oh, j'ai presque, si j'ai la vie, c'est bon, tout va bien. Wow, wow, wow. Things ain't so well over here.
Vous entendez derrière aussi la musique aussi. Ouais, la musique qui dévote. Comme tout jeu. Allez, tiens, dans la rotule. Headshot, voilà, c'est bien ça. Vous voyez, c'est pas très difficile, le jeu a été vraiment simplifié. Mais le plaisir en reste quand même. Reste omniprésent. Je me couvre. Attention, c'est les flics. On est coincé, merde. Et là, tu cours, tu t'en vas. Suivez la mare. Pas sauver la mare. Suivez la mare. Il est où, Choc? Il est où, le chien? Il est parti, le chien. Allez, vite. Attends, peace, man. Prenez les jet skis. Allez, voilà. On se casse, les gars. On se casse. La caméra cinéma toujours présente. Voilà, attention. Les voitures nous poursuivent sur les côtés. Attention. Je me plante pas. Voilà, tiens. Oh putain, c'est non. Tiens, voilà, ça c'est bien. Maintenant, il va falloir semer les flics. Et pour cela, on va se disperser, bien sûr. C'est évident. Pour les prendre de court. Pour les embêter. Tiens. La femme à l'eau. Non, voilà, vous avez pu voir cette mission. Moi, je la trouve vraiment sympa. Plutôt sympa, voilà. J'espère que cette mission vous aura plu. Sinon, voilà, c'était une petite vidéo, voilà, comme ça, pour samedi. Vraiment. S'il n'y a pas de problème, allez là, samedi cette vidéo, et après je verrai si je continue sur GTA 5 ou pas. Normal, là, c'est bon, c'est fini, on en a parlé. Mais c'est vrai que c'est quand même un des plus gros jeux de l'année, c'est normal que. On est sur ce jeu, c'est normal, c'est tout nouveau, il est tout bien en plus, il est tout récent, donc c'est normal de jouer à GTA 5. C'est même très logique, hein. Je vois pas pourquoi j'y jouerais pas, sachant que c'est un des meilleurs jeux de l'année, donc voir le meilleur, donc voilà. Peut-être que la dernière vidéo avant le test, on verra ça. Pour le moment, c'est vrai que ça me choque pas de faire des vidéos dessus, ça me fait plutôt ami, hein, je dirais. On verra. Déjà là, on va essayer de semer les flics, allez. Dépêche-toi, il y a ce purée d'hélico qui m'embête. On va essayer de tirer, mais ça va être dur. Hein. On va aller sur la côte, on va les tirer de là. Mais s'il y a les bateaux maintenant. Ah, c'est chiant. Il faudrait que j'arrive à me casser là. 3 étoiles en plus, c'est pas facile à gérer. Allez, accélère. Pour la visée en conduite, c'est toujours aussi difficile de la faire que le GTA 4. Ils n'ont pas pu améliorer trop le système. Je vois pas comment ils pourraient faire ça d'ailleurs. À part mettre une visée automatique un peu plus simpliste, peut-être, enfin, je sais pas, c'est plutôt bizarre. Comment c'est géré ce truc. Ah et voilà, j'ai plus les flics normalement. Ça devrait être bon. Je vais me cacher derrière le Bobcat. On s'arrêtera là aujourd'hui. Normalement, tout est bien. Tout va bien. Bon, mais voilà. Alors, en plus, on arrive sur une belle plage. Vraiment, qui donne envie d'aller en vacances. Ah là là, malheureusement, c'est fini les vacances, mais ça donne vraiment envie. Hein. Les parasols, les serviettes, les bouées. Ah ouais, ça m'a mis d'aller en vacances tout ça, tiens. Réussi, poudre aux yeux réussi. Bon, mais voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à critiquer positivement comme négativement. Et je vous dis à la prochaine. Bye, salut à tous.